Gobé. Gobé. Merci Karine de m'accueillir chez toi pour nous présenter un super spectacle qui va avoir lieu le 20. Le 20 mai, là, donc à Marseillan. À Marseillan, au théâtre. Au théâtre. Un super spectacle. Alors, justement, de folie. Voilà. Là, tu es devant les affiches, devant l'affiche. Voilà. Alors, c'est la compagnie du Petit Cabaret. Tout à fait, qui est une troupe donc, basée à Pau. D'accord. Avant. Et donc, là, d'habitude, c'est moi qui vais là-bas pour aller jouer avec eux. Et là, toute la troupe débarque à Marseillan. Voilà. Très bien. Alors, une troupe de combien de personnes? Alors, on est 9, on est 8 chanteurs, comédiens et un pianiste. Voilà. D'accord. Oui, alors donc voilà, ça s'appelle « Qui a volé les mots ?» Voilà. Et donc, c'est basé sur des chansons. Voilà, c'est un spectacle de chansons, c'est du théâtre chanté, voilà, ou chansons mises en scène sur, autour d'un thème, en fait. Voilà, on fait ça, on choisit un thème et puis on crée un spectacle là-dessus. Donc là, on est sur les mots, les jeux de mots, mais aussi la beauté des mots. Leur richesse, à quoi ils nous servent. Hein. D'accord, oui, parce que utile. L'importance des mots. Voilà, donc il y a ces deux aspects-là. L'aspect jeu de mots, aussi burlesque, comique, on s'amuse beaucoup. Et donc des petits moments aussi de suspension, plus dans l'émotion. Et voilà. Assieds-toi, ouais. On va continuer de parler un peu là. Voilà. Alors donc, ce spectacle, donc le 20 mai à 20h30, donc au théâtre Henri Morin à Marseillan. Toutes les personnes donc viennent de Pau, c'est pour bien se mettre ça en tête. Ouais. Et puis, vous l'avez joué depuis combien de temps? C'est un spectacle qui est déjà rodé? C'est un spectacle qui est déjà rodé, on l'a joué 10 fois, ce sera notre 11e. Voilà, donc y a toute l'étape de création du spectacle qui prend aussi du temps parce que c'est long, voilà. Il y a beaucoup de chansons, les costumes, on a mis un peu le paquet sur les costumes sur ce spectacle-là. La mise en scène, enfin bon, c'est beaucoup de travail derrière pour après beaucoup de plaisir. Enfin, oui. Du travail, du plaisir, les deux, mais voilà. C'est un spectacle qui dure combien de temps? Qui dure 2 heures. Oui. Ouais, c'est un spectacle. Alors, ça dure 2 heures, mais vraiment, enfin, les retours qu'on a, c'est on ne voit pas le temps passer. Mmh. Voilà. Parce que ça enchaîne, parce que c'est très vivant, il y a de la danse, il y a des il y a beaucoup de couleurs avec des costumes. Des costumes, voilà. Et il y a, en fait, voilà, c'est donc... plein de tableaux différents qui s'enchaînent. On travaille beaucoup sur les enchaînements aussi que ça pulse. Et donc, bah, c'est selon les chansons qu'on a choisies tous ensemble. C'est une histoire qui est... c'est une histoire ou c'est des petites histoires? C'est une chanson, une histoire, je D'accord. dirais. Voilà. Et soit on chante donc tous ensemble, parfois à plusieurs voix, soit c'est chacun fait son solo. Il y a aussi des duos, des trios. Voilà. Il y a des textes, quelques textes aussi. Avec évidemment des jeux de mots. Oui, donc on rit beaucoup. On rit beaucoup. Bah, nous, on prend énormément de plaisir. Il y a une belle cohésion dans cette équipe. C'est une bande d'amis aussi. Hein. C'est une joyeuse troupe. C'est du burlesque. Hein. Et voilà, c'est essentiellement. Oui, c'est en majorité burlesque. Donc on rit beaucoup. On oublie tout là pendant 2 heures. En fait. Enfin, nous, on n'oublie pas tout. Mais oui, je veux mieux pas vous. Voilà, non. Oui. Mais voilà, c'est dans cette idée-là de partager de la joie. Et des émotions aussi. Mmh, mmh. Donc, on a quand même la chance que tu habites ici et que tu amènes un spectacle qui se joue à Pau et ailleurs, d'ailleurs. Voilà, hein, donc, vous pouvez jouer partout, en fait, si on vous appelle. C'est ça. Ouais, c'est ça, on nous appelle, on nous accueille. On est neuf, quand même. Des fois avec les conjoints aussi qui viennent. Mais oui, volontiers, on se déplace pour partager ce spectacle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il faut réserver, peut-être, la joie, il y a marqué réservation. Bien réservé, voilà. Oui. Voilà, un petit SMS ou petit appel pour confirmer votre venue, voilà, et pour être sûr d'avoir une place, parce que voilà. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, donc, c'est le 20, et il y a beaucoup, beaucoup de changements de costumes. Donc, c'est amusant aussi de voir... D'imaginer comment on galère derrière. Oui. Ah oui. Non, mais voilà, c'est on s'en prend, je dirais, voilà, on s'en prend plein la vue, plein les oreilles, plein la tête, parce que les jeux de mots, il faut les suivre aussi, et plein le cœur, voilà. Bon, bah super, alors. Donc, allez, réservez votre place. Réservez vite, préparez-vous, tout se passe à Marseillan le 20 mai. Le samedi soir, 20 mai. Voilà. À 20h30. Voilà. Merci, Karine. Merci, Violette. Go big, go big, go big.
promis.